En partenariat avec Icar Maritime, l'association marseillaise Cobillac convie donc public et d'artistes à participer à d'aventures littéraires originales. Alors l'acronyme de Cobillac, c'est collectif de bibliothécaires et d'intervenants dans l'action culturelle. La mission de Cobillac est de porter la lecture de partout, de la francophonie, à Ipichou, par les Pichou, par les grands tombés. On l'avait initié avec Jean-Claude Izzo, qui est un fondateur de notre association, il y a 40 ans. Et nous pensons que c'est une bonne formule. On découvre Marseille avec le regard des écrivains. Per questo passeggio de mardi la rade de Marsiglia, es la voix des papegiali de Massilia Sound System che nous prépare d'escapulum de la trilogia del poète et journaliste Jean-Claude Izzo. A seleccionar des trozzi de lecture dei libri Churm, Solea e Total Cheops. Ako illustra de tutto meno de musique per d'una vide a Isendré comme marca son obre. Face à la mer, le bonheur est une idée simple. Rien n'est plus agréable, quand on n'a rien à faire, que de casser la croûte le matin face à la mer. En fait de casse-croûte, Fonfon avait préparé une anchoyade qu'il sortait juste du four. Je revenais de la pêche, heureux. J'avais ramené un beau loup, 4 dorades et une dizaine de mulets. Son club sportif, Jean-Claude Izzo, ces nanas, peuple à les estelles, en 12 000, et habillé écrit tout à coup dans les années 90. Et il trouva une homène de par là, disons bien une nouvelle ou des Marseillais à travers le roman, à travers une thriller finalement. Et mais son personnage fameux qui se dit Fabio Montale, qui est issu dans le Loupanier, des familles napolitaines, et qui était un policier qui faisait un peu des soucis aussi dans les Barri Nord. Et per Aganta, les maris de personne. Peut-être surprendrez-vous le pêcheur en train de parler aux poissons. Les coquillages me prennent hyper Fabio Montale. Ne devo pas dire, mais il se béraille. Mais c'est sûr. Non, mais reconnais, c'est les paroles, l'oubliaille de par là, Marseillaise, Cavieizzo, Sien tout est douce, d'origine italienne, d'origine immigrat, et mais tout à l'histoire qu'il y a derrière tout à coup. Ma maison, c'est un cabanon, comme presque toutes les maisons ici. Des briques, des planches et quelques tuiles. Le mien était construit sur les rochers, au-dessus de la mer. Pas simple d'éléger des dialogues et fort contexte, mais Papi Gina Chausi un entre Fabio Montale et son ami Fonfon, Demati Aigoud. Déconne pas, oh. J'ai toujours été derrière un comptoir. Depuis que je suis arrivé à Marseille avec Luigi, mon pauvre frère, tu l'as pas connu, toi. À 16 ans, on a commencé au bar de l'Anche. Lui, il s'est mis docker. Moi, j'ai fait le Zanzi, le bar Jeannot, 5 avenues et le Wagram sur le Vieux-Port. Après la guerre, quand j'ai eu 4 sous, je me suis mis ici, au Goud. On était bien. B, ça fait 40 ans. Avant, on se connaissait tous. Dénota que Papi Gialli a también enregistré mai des 6 heures de lecture illustrées dans un vertadier libre audio de Churm. Lidi sous un bateau. C'est un autre challenge qui est agréable. Est-ce plus simple que de canter? C'est pas facile, c'est pas facile. Pour leggi un test qui n'est pas écrit pour s'adamer pour être leggi. Devi inventer tout à coup, devi trouver l'oubliaille de faire les personnages, de trouver des voix différentes, une intonation. De mettre l'écriture de la parole. Io malgrado de cantare, de charabes, un mouvement comme quoi. Alors sur un camion, puis per carrière, ou sur la mare. Pour la pêche et tendre la main vers mes bouts.